Oh, pardon, bonjour, vous êtes là, ça va? Ça va, tout le monde, ça va bien? Bon, alors, je suis toujours en Espagne, bien évidemment, j'ai eu un lundi un peu, voilà, vous savez, lundi c'était la pleine lune, donc, je suis allée à Aguilas, je suis toujours aux alentours d'Aguilas. Aguilas, l'accent est sur le A, donc Aguilas. Je voulais aller faire les courses. Impossible d'accéder au supermarché, c'était en plein centre-ville. Voilà, donc je tournais, virais dans tous les sens, impossible d'y aller. Je me suis trouvé un autre supermarché, j'ai changé un peu, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait mes courses. Ensuite, j'ai cherché une quincaillerie ou un truc bricolage ou quelque chose comme ça. Allez, oui, j'y suis allée. J'ai fait un détour d'environ 15 km pour rien parce que je n'ai pas trouvé ce que j'ai cherché. Voilà. Ensuite, mon GPS voulait m'envoyer en plein centre-ville d'Aguilas, dans les petites rues. À un moment donné, je me suis trouvé devant un panneau de 2 mètres de largeur. Je me suis dit, non, mais c'est bon, ça suffit. J'ai réussi à faire demi-tour. Ouais, ça va, ça a été pas... juste avant, j'ai croisé la police. Ils m'ont regardé avec des grands yeux comme ça, je comprenais pas pourquoi, mais après j'ai compris, bah oui. 50 mètres plus loin, c'était limité à 2 mètres de largeur. Voilà, ok. Donc j'ai fait demi-tour, je suis reparti. Finalement, j'ai trouvé un chinois, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. C'est qu'en fait, je voulais remplacer l'emboule de mon robinet dans l'évier. L'embout qui fait un peu mousse, mousseur, quelque chose comme ça, parce que celui que j'avais, ça fait un moment que je le traîne. J'ai essayé de nettoyer, j'ai mis dans le vinaigre blanc, ouais, ça a amélioré un petit peu, mais c'était plein de calcaire, donc il n'avait plus rien à faire, et puis finalement, ça s'est carrément cassé. Vous savez, il y a un tout petit... un genre de filtre ou quelque chose comme ça en métal, et c'était complètement détruit. On aurait dit rouillé, mais bon, mais c'est en inox, donc normalement ça peut pas rouiller. Et donc j'ai trouvé finalement, oui, j'ai trouvé exactement ce que j'ai cherché, c'est parfait. Et je continuais, et mais pour finir la journée, je me suis tailladé mon doigt. Regardez, c'est peut-être pas très net, mais... j'ai passé 10 minutes au-dessus du lavabo comme ça. Ça saignait, ça coulait, ça n'a pas fait mal, non, mais c'est... j'étais comme ça, là, je regardais le sang couler dans l'évier, goutte par goutte, par goutte, par goutte. Bon, et puis, donc, j'ai mis un pansement, ça n'a pas arrêté de saigner. J'attendais un tout petit peu, quand même, pour ça, c'est avant que ça se calme un petit peu. J'ai mis un pansement avec un truc, des trucs stérilisés, là, les non-tissés, machin, stérilisés avec un sparadrap autour, que j'ai changé le soir avant de coucher, ça saignait toujours un petit peu. Donc, j'ai gardé ça la nuit, parce que les taches de sang... pour enlever, c'est pas gagné. Bon, toujours est-il, tout va bien. Ça, c'était lundi, pleine lune. Voilà, donc il y a toujours des choses qui arrivent pleine lune. Je suppose à vous aussi, il vous arrive plein de choses pleine lune qui ne sont des fois pas très nettes et pas très, pas très agréables. Donc voilà. Je suis toujours aux alentours d'Aguilas, je suis chez Hannibal. Non, pas Hannibal Lecter, non, mais celui avec les éléphants. Comme je disais à Ambre hier,
C'est celui avec les éléphants, sauf qu'aujourd'hui, les éléphants, ils ont blanc, ils ont plein de roues. Alors, donc, ce sont des éléphants à roulettes. Je suis entourée des grosses bestioles. Je vais vous montrer là tout à l'heure. C'est une station-service qui fait aussi aire de camping-car. Ça fait quelques années déjà que ça existe. Ça fait 5-6 ans, quelque chose comme ça. Ouais, depuis 2015, il me semble. C'est super sympa. C'est assez grand, mais c'est relativement calme. Les endroits, les emplacements sont spacieux. Il y a une partie avec électricité, une partie sans électricité. À la station-service, vous avez donc du gasoil, bien évidemment. Vous avez aussi du GPL. Vous pouvez faire le plein du GPL. Vous pouvez changer vos bouteilles Repsol si vous en avez. Il y a les douches. Parce que ça, c'est par contre, ça, c'est avec des pièces d'un euro, je crois. Il y a machine à laver, 4 euros, ce sont des grandes machines. Il y a 4 grandes machines, c'est vraiment pratique. Là derrière, tout au long du grillage, il y a des fils à linge, donc on peut accrocher son linge pour faire sécher. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Je vais vous montrer un peu plus tout à l'heure. Il y a le tri de poubelle, il y a la station de lavage aussi, vous pouvez laver votre camion. Il me semble qu'il y a même une passerelle, je n'ai pas fait attention. Et donc, vous avez 7 euros pour 24 heures, plus 3 euros électricité. Si vous voulez le wifi en plus, c'est 1 euro en plus. Moi, j'en ai pas pris pour 1 euro, non. Mais j'ai pris là avec électricité parce que je continue ma coûteur. Ah, elle n'est pas terminée. Et il y a une partie qui est avec électricité et une partie derrière qui est sans électricité. C'est vraiment sympa. Je vous montre un peu plus. Voilà. Mais avant, je vais vous montrer le spot où j'étais jusqu'au lundi. En fait, c'était un parking vraiment au bord de l'eau. J'avais juste la route à traverser pour être à la plage. C'était super joli, vraiment calme, un grand parking tout plat, magnifique. Seul truc, il n'avait pas de poubelle, mais c'est normal, c'est un parking tout ordinaire. C'est un peu au nord d'Agulhas. Maintenant, je suis un peu plus au sud d'Agulhas. Et c'est vraiment, j'ai passé tout le week-end là, c'était vraiment splendide. Bon, allez, c'est parti. J'ai presque terminé mon café. On y va? Vous venez avec moi? Allez, c'est parti. Voici ma terrasse. Quelques jours. Un grand parking derrière notre camping-car. Nuit dernière, il y avait d'autres, des Anglais, Français, allemands, super sympa, on a porté un peu. Et quand je tourne, regardez, c'est joli là derrière, village à flanc de montagne. Et bien voilà. Et c'est ça que je regarde quand j'ouvre le pare-brise le matin. Elle est pas belle la vie. Voilà, je vais rester ici quelques jours. C'est un parking tout ordinaire, spécial. Je suis un peu au nord d'Assam. Et donc tout va bien jusque-là. Donc j'ai bon nouveau. Il restait 4 heures. On va rester quelques jours ici. Et ensuite, on verra. Là, il y a un champ. La montagne derrière. Pour venir ici de Bonnuevo, la route, elle est magnifique. J'ai pris la petite route qui traverse la montagne. Je n'ai pas du tout pris l'autoroute parce qu'elle est petite ici, elle est payante. Donc, j'ai pas d'autoroute, j'ai pris une petite. En fait, c'est la 102 que je pris, que je vis tout simplement. Traverse la montagne, elle est magnifique. J'ai pas filmé parce que bon, depuis qu'on a la mini caméra de mouvement avec le téléphone ou avec le caméscope,
c'est très agréable parce que ça bouge, c'est pas stable, il n'y a pas de stabilisateur. Donc ça, tout le temps, c'est pas très agréable à regarder. Donc du coup, j'ai pas filmé la route. Mais c'était le paysage, c'était grandiose. Alors vous voyez un peu là derrière les montagnes. Voilà, là derrière, vous voyez, je traversais un paysage qui était que comme ça. Et ça, j'aime beaucoup, ça c'est l'Espagne que j'aime beaucoup, des montagnes, même si je ne suis pas vraiment un fan de montagnes, mais c'est quand même magnifique à voir. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis pour arriver ici, avec la plage juste en face, juste la route à traverser, puis dans la journée, il y a un peu de circulation. Mais la nuit, c'est très très calme. Vraiment, rien qui bouge. Et en plus, là, on est lundi, c'est la pleine lune. Je suis sortie hier soir avec Domino pour le promener un peu. Mais c'est magnifique, pas besoin d'une lampe, rien du tout. C'est éclairé comme en plein jour. En plus, la nuit, bon, là, il y a quelques nuages, mais la nuit, c'était complètement dégagé. C'était magnifique. Allez, à plus. Donc voilà, vous arrivez d'ici ou de l'autre côté, peu importe. C'est la RM, je crois, 332. Là derrière, c'est la mer. Donc vous avez l'entrée à la station-service ici. En haut là, il y a un rond-point pour ceux qui arrivent de l'autre côté. Ils peuvent rentrer là aussi. Une idée de prix. Voilà. Gasoil 1,16 €. LPG, enfin GPL, 69 centimes. Bon, 70 centimes, on va dire. Donc là, il y a lavage voiture. Et tout au fond, il y a lavage. Bah, camping-car, camionnette, fourgon, camion, tout ce que vous voulez. On va voir un peu plus près. Donc là, on est au lavage. Là, c'est 3 mètres. Hein, c'est un peu plus bas, là. Mais là, vous avez 3 mètres 40. Là. Donc, on peut même accéder en camping-car, là. Par contre, il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien pour monter sur le toit. Mais ça, c'est pas grave. On a toujours une solution. Alors ici, vous voyez plein de camping-cars. Ils font la queue. Parce que, en fait, là, vous voyez l'Esterel, là. Non, c'est un voyageur, pardon, excusez-moi. Mais pardon, c'est pas un Esterel, c'est un voyageur. Là, vous avez vidange eau grise. Là, il se met pile poil devant, mais c'est pas grave, il a droit, il fait la queue. Donc là, vous voyez les haies, là, c'est vidange eau grise et au milieu des haies, vous avez un tout petit passage vers la droite. Et là, vous avez les égouts, enfin le vidange cassette. Et il y a robinet d'eau pour remplir, là, vous avez le robinet d'eau pour remplir eau propre, eau potable. Tri des poubelles. Donc voilà, la station-service. Hannibal, super sympa les gens. Et maintenant, on va passer à l'intérieur. Alors, vous voyez au fond la station GPL. Allez, on va passer à l'intérieur maintenant. Voilà, station de lavage spécial camping-car avec la passerelle. Regardez-moi ça, comme c'est parfait. Avec une échelle, c'est fait, enfin c'est une plateforme accessible avec une échelle. Voilà. Madame est en train de laver son déclefs. Pas trop m'approcher parce que. Eh bien c'est parfait. Avec une machine, je crois qu'il faut des jetons. Parfait. On vous donne un badge. Voilà. Et une clé. Alors, avec le badge. Il faut ouvrir
même pour sortir. Voilà, je suis sur la place. Ça, c'est la partie avec électricité. Là derrière, je vais aller voir. Vous avez des terrains de pétanque. Eh oui, ça aussi. Hein. On va passer par là. Hein. Il n'y a personne, ils sont partis. Alors, donc, terrain de pétanque. Les gens sont bien installés, il y a des bancs, il y a des poubelles, les blancs, les bancs, les tables. Bon, là derrière, on va s'approcher un peu. Il y a des éviers pour faire la vaisselle. En plein air, moi je trouve ça très bien. Il y a toujours du monde ici. Voilà, avec une poubelle à côté. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et tout autour là, là vous voyez, et même là tout le long, il y a des fils pour faire sécher votre linge. Voilà la partie avec électricité. Là, vous avez toujours, on les voit là, les petits plots. Sur les plots, vous avez, sur les bornes, vous avez aussi le numéro de la place, de l'emplacement. Et là, il y a vraiment tout. Il y a des Suisses, Allemands, Français, Suédois, Hollandais. Il y a vraiment du tout. Oh là, il y a les mastodontes. Des gros gros. Ah, c'est pas un petit ça. Et là derrière, il est encore plus grand. Un camion. Voilà, ça c'est la partie sans électricité. Et là, j'ai l'impression. Vous voyez le chien là. Là. ici, les places, en fait, cette partie-là, les places sont beaucoup plus longues. Parce que vous voyez, les camping-cars n'ont même pas besoin de dételer la remorque. Et vous voyez le grand là, le Morello, le grand, ben, il est stationné, il n'est même pas allé jusqu'au bout. Et il est stationné sans dépasser. Donc ce sont des emplacements spéciaux, grands camping-cars, très longs. Je sais pas combien de places il y a au total, mais là, au bout là, on est déjà en numéro 70, 72. Donc, il doit avoir une centaine au total. Alors, voici les poubelles de tri. Il faut même location de vélo. Vous avez les douches, femmes, hommes et spéciales handicapées. On va aller voir. Les machines à laver. Trois machines à laver et un sèche-linge. Voilà, et plein de trucs que les gens ont laissé, ont oublié. Des demi-paires de chaussettes. Ça tourne, il y a quelques livres. Et là, on va passer côté sans électricité. Je suis dans les douches, douche femme. Alors, qu'est-ce qu'il faut là?
Faut de la monnaie. Oh, rien du tout là. Alors, j'ai pas trop compris. Est-ce qu'il faut un jeton? Ou est-ce qu'il faut des pièces? Mais en tout cas, c'est spacieux. Et c'est propre. Voilà. Une, deux, trois, quatre. Deux toilettes. Et il faut toujours le bip pour entrer. Oula, sèche-cheveux. C'est la classe. Allez, c'est reparti. Bon, voilà. 2 heures de route plus tard. Là, je suis vraiment au bord de l'eau. Je suis à Cabo de Gata. C'est avant Almeria. Mais j'ai encore. Je dois aller jusqu'à Motril. Mais jusqu'à Motril, j'ai encore 3h30 de route. Donc je crois que je vais couper la poire en deux. Alors en fait, au départ, j'étais stationné là, là. Vous voyez, où il y a plein de camping-cars. Mais j'étais au milieu, entouré de camping-cars, à droite, à gauche, devant, derrière, un peu partout. Non, pas dessus, pas ni dessous. Mais ça ne me plaisait pas, je voyais rien du tout. Alors du coup, j'ai changé de place. Je suis venu ici. Voilà, il y en a plusieurs là. Dans un chemin, au bord d'un chemin. C'est nickel. En fait, c'est, je vois derrière, c'est le cimetière. Donc on ne risque pas de déranger par les voisins. C'est pas eux qui vont nous gêner. De toute façon, c'est pour une nuit. Là, derrière, on voit un peu la mer. De toute façon, la mer, elle est juste derrière. Il y a un petit resto. Je vais peut-être aller voir demain. Voilà. Et puis, la plage, il y a une belle promenade de plage juste de l'autre côté des camping-cars. Et voilà. Donc, je vais rester ici jusqu'à demain. Et les 3h30 de route. Je vais les couper en deux. En attendant, Foxy est là. Il est bien content. Il est au soleil. Il a bien roulé. J'ai pris une route vraiment magnifique. La route, elle était très belle. Sauf comme je vous avais déjà dit, j'ai déjà expliqué que pour le moment, j'ai pas d'appareil convenable pour filmer la route. Et là, c'est vraiment dommage. C'était super. J'ai pas pris l'autoroute. J'ai pas pris la quatre voies. J'ai vraiment longé la côte, j'ai pris la route côtière, mais c'était vraiment super, super, super. Parce que toute la côte là, vous voyez, c'est à peu près les montagnes comme vous voyez là. Donc ça monte, ça descend, ça tourne, ça vire dans tous les sens. C'est vraiment magnifique. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.